Et tout de suite, nous continuons notre exploration. Enfin, je continue mon exploration surtout. Je sais pas pourquoi je parle au pluriel des fois. Je continue ma recherche de gemmes de force. Donc, ici, on a tout dans le passé. Ici, on a tout. Je me souviens déjà plus. Il y avait... Ah oui, il y avait un cristal magique dans ce coffre. C'était la caverne dont on connaît l'existence uniquement parce que on l'a vu dans le présent. Avec le coffre qui était déjà ouvert. Aïe. D'ailleurs, je me suis... Enfin, pas trompé, mais je voulais explorer dans l'ordre d'ouest en est, puis du nord au sud. Et là, j'ai pas vraiment respecté ça, puisque je suis passé du village Cocorico à la forêt. Mais c'est pas grave. Et donc là, il n'y a pas d'autres cavernes dans le passé. Allons voir le présent. C'est bon. On va quand même vérifier, mais je pense pas qu'il y ait gemme de force chez moi. Il n'y en a pas. Ensuite, la fameuse caverne avec le coffre. Ah, c'est cool, j'ai plein de cœurs là. Donc ici c'est bon. Et dans le futur, la caverne existe toujours. Évidemment, pas de gemmes dans une petite caverne comme ça. Et dans cette maison où il y avait un sage, il y a toujours le sage. Bonne chance, Link. À toutes les époques, tout le monde compte sur moi. Voilà pour la forêt. Donc maintenant, je vais reprendre l'ordre dans lequel j'étais parti. Sinon, je vais oublier des trucs. Ah bah, je peux pas passer, là. Ah oui, c'est par là dans le futur, c'est vrai. Par ici. Voilà, ici on est dans le secteur du temple du temps. Et dans le futur, on a tout. Dans le temple du temps, on a tout. Je vais quand même en profiter pour aller voir. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire dans le temple du temps. À moins qu'il y ait quelque chose dans le passé. Maintenant que j'ai les 7 cristaux. On va bien voir. La banque. C'est bon. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours ce mystère là. On n'a toujours pas réussi à aller là. Et je suppose que je pourrais y aller grâce au pont qui sera construit dans le passé. Non, dans le présent. Une fois que j'aurai tous les outils. Une fois que j'aurai donné tous les outils au mec. Ou alors, oui, dans le présent. Ouais. Le mec dont lui, il parle. Alors. Présent, justement. J'ai pas tout. Et je pense que c'est à cause de ça. De ça, justement. Il manque des outils. Je vais déjà donner un marteau et un clou. Mais c'est toujours pas suffisant. Donc, du coup, c'est peut-être pas la peine de m'embêter plus longtemps. On peut raisonnablement supposer que la gemme de force, elle est là-haut. Donc, j'ai juste le noté sur mon petit papier. Donc, présent. Temple du temps. Enfin, pas le temple du temps, mais à l'extérieur, quoi. Temple du temps, voilà. Je note toujours les endroits où j'ai pas toutes les gemmes. Le temple du temps, c'est bon. Bon. C'est là que j'ai appris le chant de l'envol. C'est bizarre, j'ai toujours pas appris le chant du temps standard. Apparemment, il n'existe pas. Il n'y a pas la place dans l'inventaire. Par contre, il y a encore la place pour deux objets, quand même. C'est pas rien. Et la banque.
C'est bon. Aïe. Donc. Et lui, j'avais déjà regardé, excusez-moi. C'était bon. Champ du temps inversé. Alors là, j'ai pas tout non plus. Donc pareil, je vais supposer que c'est parce que ça pourrait être sous cette pierre noire là-haut. Rien, enlever quelques pierres. Parce qu'on a vu dans l'épisode précédent que j'étais capable de laisser des choses. Ok, tant mieux. Et donc, je me souviens même plus, j'ai regardé. Oui, c'est bon. D'accord. Aïe! Le temple du temps. Finalement, je sens qu'il va pas se passer grand-chose de plus dans le temple du temps. Donc, pareil, je vais noter que dans ce secteur, il me manque des choses. Eh bien, on va continuer. Donc là, on est dans le secteur du château. Secteur du château, j'ai tout dans le passé. Et il n'y a pas de caverne dans le passé. Ni de château, bien sûr. Secteur du présent. Enfin, du château dans le présent, j'ai tout. On peut passer par là. On va vérifier qu'on a tout eu aussi dans le château. Il me semble que oui. Voilà. Ça n'a pas été tout facile, mais on a tout eu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce secteur? Là, c'est plus le même secteur. On peut aller jusqu'où? On peut pas aller très loin. Donc, logiquement, il n'y a plus d'autres cavernes. Non. Donc, on va voir dans le futur pour terminer. Attendez. J'ai bien vérifié ça? Oui. Futur, on n'a pas tout dans le futur. Alerte, alerte, alerte générale. Tous aux abris. On n'a pas tout trouvé ici. Quelqu'un a oublié une gemme de force. Serait-ce là? Ce n'est pas là. Ah! 8, c'est bon, je les ai toutes. De toute façon, je savais que depuis que j'ai le bracelet de force numéro 2, j'ai pas tout essayé pour les gemmes de force. Donc c'est bon, ici c'est réglé, et dans le château. Ah, c'est bon aussi. Super! On progresse. Après, on va voir là. Aïe. Il y a eu les montagnes, le cimetière, les cascades. Bon. Et par contre, en fait, j'explore en ligne, comme je vous disais. Mais j'ai l'impression que sur chaque ligne, le nombre de secteurs n'est pas forcément toujours le même. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Donc ici, j'ai pas tout. Pourquoi je n'ai pas tout? C'est intolérable. En tout cas, ça me permet de récupérer un petit peu d'argent. Alors, on va voir par là-bas.
Donc oui, je pense qu'il n'y a pas le même nombre de secteurs sur chaque ligne, puisque ici, si je vais à droite, je change de secteur. Par contre, si j'étais plus au nord, il n'y aurait pas de changement de secteur à cet endroit. Je vérifie aussi derrière les arbres. Trop fort. Ah, il m'en manque encore. C'est pas fini. Celui-là, j'ai vérifié. Ah, j'ai eu peur, c'est la bombe qui a explosé. Je croyais que il se passait quelque chose derrière l'arbre. Bon, et ici, comment je peux aller là-bas? Bon, je peux pas facilement. Non, je peux pas directement. Bon, ça fait rien. J'irai juste après. J'ai d'abord finir de nettoyer tout ce que je peux nettoyer. Parce que j'ai pas encore fini, il me semble. Là-haut, j'ai pas tout fait, si. Et là-haut? Si, c'est bon. Derrière l'arbre. Je suis capable de passer 10 fois derrière le même arbre sans m'en souvenir. Et puis de rater, 10 fois un autre arbre. Bon. Donc là, j'ai tout nettoyé sauf le... sauf la partie tout en bas à gauche. Qui est un peu plus difficile d'accès. Donc on va y accéder dans le... dans le présent. Ben, on peut passer par le pont, puisqu'il y a un pont. Et ensuite... Mais ça m'étonne quand même parce que je pouvais accéder à ce morceau-là facilement depuis la cité... Ah ! Depuis là, en fait. Ah oui, donc non, c'était pas si facile, effectivement. J'étais peut-être jamais venu dans le futur à cet endroit-là. Hein ? On s'en rend pas compte, mais il y a des endroits qui ont l'air totalement anodins. Et ben, on pouvait pas y aller. Sauf par un voyage dans le temps. Je trouve, du coup, à cause de ce genre de choses, que la carte du monde est super bien faite. Franchement, j'adore me balader dans tous ces endroits et continuer à découvrir des secrets à n'en plus finir. C'est génial. Alors, 10 gemmes et je les ai tous. C'est bien, toutes plutôt. Puisqu'on dit une gemme. Dans le présent, c'est bon. Je réfléchis, est-ce qu'il y a des cavernes dans tout ce coin? Oui. Non, il n'y en a pas. Ah, par contre, il y en a une que j'ai oubliée là. Quoique non, ça compte comme le château, ça. Ah oui, c'est le château. Donc, revenons à nos moutons. Ici, on n'a aucune entrée de grotte ou de maison. Donc, on peut regarder... Ouais. J'ai comme un gros doute. Le mec qui avait fait le pont au début et qui voulait un rouage au début du jeu, est-ce qu'il est dans cette zone ou au-dessus? Ah non, il est au-dessus, il était là. Et donc j'avais dû le vérifier dans l'épisode précédent.
Ok, et donc par contre dans le passé, j'ai remarqué qu'il me manquait quelque chose. Je n'ai que 10 gemmes. Donc probablement c'est parce que je suis pas revenu dans ce coin depuis que je peux soulever les pierres noires. Parce que dans le passé c'est un peu désertique tous ces coins-là. En plus je peux pas passer là, je peux passer là. Allons voir par là. Toi tu m'embêtes. Du coup on va aller par là. Toi tu m'embêtes aussi. Ah, vous m'embêtez tous. Ils sont trop rapides. Alors, où sont là où les gemmes manquantes? Ici, yes. Ok, c'est réglé. Allez, on passe à la suite. Ici, on a tout. Je me souviens, ça fait pas très longtemps qu'on a trouvé la dernière. Ici, on a tout. Mais il y avait quoi dans le passé dans cette caverne? Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout de ce coin-là dans le passé. J'avais dû résoudre une énigme quand même. Excusez-moi, je revisite, mais... Donc là, j'avais trouvé une gemme en revenant plus tard. Mais quel est le rapport avec ce qu'on vient de voir dans le passé? Il y a quand même une caverne. Un endroit qui était pas accessible du tout. En tout cas, ici, on en a 11. Enfin, on en a 11 partout, vous me direz. Ici, on a tout. Ensuite, il y avait une autre grotte. Tout en bas. Un rubis. Plein de rubis. C'est là que j'ai trouvé l'épée. C'est bon. Et donc, dans le passé, c'est bien sûr bon. C'est toujours bon. Aïe. Mais ici, il n'y a même pas de caverne. Peut-être que je devrais tuer les monstres, vous croyez pas? Et là, alors peut-être qu'il faut mettre une bombe alors. Eh ben non. On peut pas tomber dans les trous. Ah, on peut tomber dans les trous. Ah oui, d'accord. Donc je reste bloqué sur une énigme que j'ai déjà résolue depuis bien longtemps. Et maintenant, je m'en souviens. Franchement, des fois, je m'épate. C'est ironique, bien sûr. Donc tout ça, ça avait déjà été fait. Ah. Et ah bah alors, comment je fais? Je suis pas bien en face, bah si. Mon grappin est en panne. Ah, là ça marche. On va reprendre la baguette de feu. Zut. Il faut quand même encore vérifier un ou deux petits trucs ici. Ah bah non, puisque là y a rien. Lui, il veut pas de ma gemme bleue. Accessoire vedette. Je saurais jamais ce que c'est. Ça peut pas être ça, parce que ça, on peut plus l'échanger. Ça non plus. Y a rien à faire pour lui, hein. Alors, champ du temps inversé. Non. Oula, je me calme. Excusez-moi. L'opéra
il n'y en a pas. Donc bien qu'on arrive à rien faire dans l'opéra, au moins, il ne manque pas de gemmes à cet endroit. Et dans le futur... Non. Ah, le futur, on n'a pas de tout. Le futur est beaucoup plus difficile à explorer. Cette forêt est beaucoup plus difficile à explorer dans le futur. Parce que tout est bloqué à chaque fois. Donc faut explorer par petits bouts. Et à chaque coup... Merde, excusez-moi. Et à chaque coup... Oh, tous les buissons reviennent. Donc c'est un peu, parfois un peu difficile de se souvenir lesquels on a déjà coupé ou non. Pas accéder aux deux autres morceaux. Et par le passé, on sait jamais. Ah, il y a quelque chose là, je pense. Quelque chose d'intéressant à faire par là-bas. Alors, il va falloir que je me souvienne. Sauf que, évidemment, on peut rien faire dans le futur. Donc, à peu près ici, on peut voyager. Presque. Là. Et une fois qu'on est ici, on revoyage. Ah. En fait, on arrive dans un petit trou, mais apparemment, il n'y a rien. Bon. J'en ai tant inversé. On fait demi-tour. Compliqué à visiter les bois perdus. Ah, dans le futur. Ça y est, c'est bon. On a réussi. En fait, là, voilà, je suis à nouveau dans un secteur qui n'a pas de connexion avec les autres. Dans un morceau qui n'a pas de connexion avec les autres. Et c'est pour ça que j'avais jamais récupéré cette gemme jusqu'à présent. Donc ça, c'est cool, c'est fait. Allons-y. Attendez. Pour être tout à fait complet, il faut que j'aille dans cette grotte du futur, si elle existe, mais elle n'existe pas. Allez, on continue avec la forêt. Ah bah non, j'ai déjà fait au début de l'épisode. Alors, on continue avec le village d'Hyrule. Ici, on a tout. Ici, on peut pas rentrer. Ici, on peut pas rentrer. Ici, on peut rentrer. Alors, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a plein de maisons. Mais bon, il faut le faire. Et comme je dis toujours, moi, ça m'embête pas. J'ai juste peur que ça soit parfois un peu ennuyeux sur les vidéos. Surtout quand j'y vais pour la 50e fois. Le café, là, je me souviens qu'elle m'a donné une gemme quand j'ai fait sa 17e tasse. Donc, par ici, après, il y a les petits magasins qui servent à rien. J'espère que c'est pas eux qui veulent la gemme bleue parce que je leur parle jamais. Ou presque. Quand je désespérais pour le balai, j'ai fini par leur parler, mais... Ou alors eux. De toute façon... C'est pas le moment de faire ça. C'est surtout que ça prendrait trop de temps, et ça me saoule. Enfin, j'ai peur que ça vous saoule. Donc voilà... Et puis à mon avis, c'est pas eux qui vont nous donner les quelque chose à partir de la gemme bleue.
Ensuite, j'ai presque fini pour le présent. J'ai oublié de vérifier là. Bon, bah, on dirait que j'ai pas raté grand-chose. Là, il devait y en avoir, mais je les ai eus. Ok. Et dans le passé, y a rien. Dans le passé, il y a un petit peu moins de maisons, il me semble, donc ça devrait être un peu moins long. C'est bon. Là, par exemple, il y a rien, il y a pas de maison. Et à l'extérieur, ah, à l'extérieur, j'ai pas tout eu. Ah. Bon, je vais finir de visiter les maisons. Mais je suis bête. Si je mets pas pause, ça sert à rien. Donc à l'extérieur, j'ai pas tout eu. Peut-être qu'il faut interagir avec quelqu'un. Parce que... Enfin, en fait, j'en sais rien. Tiens, je vais en profiter pour acheter des potions. 15 pièces d'or, allons-y. Est-ce que j'ai mis pause? Oh là là! Je fais tellement là depuis 1 heure que je m'en rends même pas compte. J'entre dans une maison, je mets pause et à la seconde suivante, je sais plus si j'ai mis pause ou pas, et si j'ai vérifié le compteur ou pas. Ok, c'est bon. Par contre, extérieur. Et là, je commence à me demander si j'ai pas fait exactement la même chose. Genre, il y a 2 ou 3 épisodes. Est-ce que je vais pas déjà couper tous ces buissons, soulever toutes ces pierres? Parce qu'il me manquait une gemme. Je pense que si, alors je vais pas vous réinfliger ça. Mais je vais juste vérifier les pierres noires. En fait, je pense que c'est en interagissant avec quelqu'un que je vais obtenir une gemme. Par contre, je sais pas qui. Ou alors c'est derrière l'arbre? Non. Ok, bon, il me reste plus grand-chose à faire. Heureusement, parce que c'est un petit peu long. Il me manque encore 8 gemmes. À mon avis, je vais juste vérifier si c'est bien 8. Qu'est-ce qu'il me reste à acheter? La dernière bouteille, il faut 20 gemmes. Donc je suppose qu'il me manque plus que 8 gemmes dans tout le jeu. Eh bien, dans le prochain épisode, on va essayer d'en trouver le plus possible à nouveau. Merci à tous, à la prochaine, salut!